Parfait Mandanda, depuis 2008, vous jouez avec les Léopards du Congo. C'est la sixième fois que vous êtes titularisé pour un match de qualification. Quel bilan pouvez-vous tirer ? Bah, le bilan sur mes qualifications, sur mes participations, assez positif parce que à chaque fois que j'ai joué, je pense que j'ai fait des bons matchs. Après, par rapport aux résultats qu'on avait fait, je me souviens plus trop des résultats, mais je sais individuellement, au niveau de mes performances, j'avais fait des bons matchs. Alors ici à Charleroi, vous n'êtes pas le premier gardien, mais vous êtes redevenu premier gardien en équipe nationale. C'est une belle récompense ? Oui, c'est une belle récompense. Je pense que le travail et la patience payent toujours. Donc c'est ce que je fais, ce que je continue à faire tout au long de ma carrière. Et j'espère aussi pouvoir aussi retrouver ma place au Sporting, quoi. Pouvez-vous nous parler en quelques mots de votre voyage en République démocratique du Congo ? Le voyage, c'était un voyage déjà assez long, assez difficile parce que en Centrafrique, faut se préparer parce que déjà en Afrique, les pays ne sont pas très stables. Et surtout quand tu joues à l'extérieur, c'est assez bizarre. Et en Centrafrique, on sait que le pays là-bas n'est pas très stable. Donc c'était assez difficile. Il fallait se préparer mentalement. Je pense que ce qu'on a fait, on n'a pas su suffisamment le faire parce que on revient avec 0 points, on a perdu 2-0. Donc c'est à nous maintenant de se concentrer sur le prochain match contre l'Angola et pouvoir ramener les 6 points parce que ça va être un match aller-retour direct qui va s'enchaîner, quoi. Prochain match contre l'Angola, contre qui vous allez retrouver Clinton Mata, votre équipier ? Bien sûr, ça va faire plaisir de jouer contre Clinton, surtout que je pense que lui, il vit une situation assez difficile. Parce qu'il ne joue pas beaucoup aussi au Sporting. Et là-bas, je pense que ça lui permet de s'épanouir aussi, de pouvoir jouer, de montrer ses qualités. Après, comme j'ai dit, j'espère rentrer avec les 6 points contre l'Angola. Après, Clinton, bien sûr que c'est mon ami, on est très proches. Mais après, sur le terrain, c'est autre chose. Le 13e homme, derrière son équipe, devant son écran. Plus de vidéos de Charleroi sur proximus11.be/rcsc.